Ok les potes, bienvenue pour la petite boutique quotidienne. J'espère que vous allez bien les gars. Je suis un petit peu en retard à la boutique, enfin. Pour vous, vous regarderez en vidéo, donc pour vous, ça change rien. Mais je suis un petit peu en retard parce que j'avais pas trop la forme. Ce soir, j'avoue, je me suis endormi juste avant la boutique. 2 heures avant, bref. C'est pas grave tant que je suis réveillé. Du coup, on est parti. Je vais pas raconter ma life non plus. Donc, n'oubliez pas le code les gars, pour ceux qui voulaient mettre la boutique. Merci à vous, vous n'êtes pas obligés. Mais vous êtes les meilleurs, vous êtes sympas. Franchement les gars, j'ai un peu stone hein. Je me suis réveillé il y a pas très longtemps donc si je répète les mêmes trucs, je suis désolé. Je vais peut-être pouvoir live tout à l'heure. Peut-être. Parce que l'autre jour j'ai pas réussi à live parce que YouTube, je sais pas, il buguait, j'en sais rien. Donc on va voir si tout à l'heure je vais pouvoir faire un petit live improvisé. Enfin tu vois, je l'ai pas fait mais j'ai pas trop le temps avec tous les soucis que j'ai eu réel donc bon. Alors Marvel du coup. On a déjà vu ça hier. Normalement, on n'a rien de nouveau, mais on sait jamais. Pourquoi on le voit plus Ok, il a encore un bon affichage. Ok, bon. Ok, je regarde. Moi, ça, les gars, il a rien de nouveau, normalement. Mais il faut faire regarder quand même. D'ailleurs, j'ai pas encore fait les vidéos de du starter pack et du skin de Sauvellement. J'ai pas eu le temps hier, je devais le faire, mais j'ai eu plein de choses à faire hier et des imprévus, malheureusement. Ça arrive. Le skin Hope toujours disponible. Ah! Bon, il est en gros lui. Hein. Donc là, il y avait du coup deux skins dedans. Le skin du coup Typhon. Moi, il me coûtera 600 V-Bucks. Je crois que je l'avais acheté celui-ci, mais non. J'ai acheté le skin mec à l'époque. Il y a 2018, ça date. Hein. Je l'ai depuis très longtemps. J'avais aussi acheté ce planeur à l'époque. J'aime bien moi les motos, les gars. Hein. Donc si jamais vous possédez l'un des deux skins, et peut-être même le planeur, parce que je crois que. Ça fait 600 V-Bucks. Si vous avez le planeur avec, parce que je sais pas combien ça coûte si vous avez acheté que l'un des skins et pas planeur. Sur mon 800 V-Bucks peut-être. Donc les skins sont tous les deux à 1500 V-Bucks. La boîte de moto volante, 1200. On a également le pack des acolytes. Donc 800 V-Bucks chacun. Et dans le pack, je sais pas combien ça coûte. Bon, là c'est marqué 1600, mais il y a sûrement une réduction. Peut-être 1000 V-Bucks, je sais pas. Un truc comme ça, j'imagine. Les skins catcher, donc là vous avez le vrai prix. Du 1200 et 1200 chacun. La pioche 800 et le planeur aussi plus puissant. Les skins échos, bon, on l'a déjà vu. Hein. On les a vus il y a quelques jours. Donc là, on n'a rien de changement. Là non plus, on l'a déjà vu. Voiture. Tout ça, on les a vus. La BMW. Bon, tout ça, les gars, on les a déjà vus. Les esprits musicales. Ça aussi. Ok, ah voilà. Les deux packs que je vous ferai tout à l'heure en vidéo qui seront publiés. Parce que je voulais faire ça hier. Mais comme la boutique d'hier. Je les voyais pas à la boutique parce que j'avais pas redémarré mon jeu. Et je me suis dit que je voulais faire ça dans la journée. J'avoue que j'ai pas eu le temps, j'avais. Disons, une journée assez compliquée hier. Je vais pas vous raconter en détail, c'est une longue histoire. Et du coup, j'ai pas eu le temps de faire les vidéos du coup. Donc là, il y a le petit pack à 4,49€. Je vous rappelle que les V-Bucks, vous le récupérez automatiquement dès que vous achetez le starter pack. Il est disponible toute la saison actuelle. Comme le pack ici pour sauver le monde. De toute façon, je vous ferai une vidéo spéciale. Ça, c'est un skin assez mastoc. Il se joue dans le BR comme dans Sauver le Monde où les skins soient l'un ou l'autre. Donc là, par exemple, celui-ci, vous l'aurez juste à l'acheter avec de l'argent réel. D'accord? Vous achetez le petit skin. Vous avez le petit revêtement ici. Vous avez les sacs à dos. La double pioche. Et même en version Lego qui est plutôt sympathique. Vous avez 600 V-Bucks directement dans le jeu. Alors, donc dès que vous achetez le pack, vous avez les V-Bucks automatiquement. D'accord? Ensuite, ce pack-là, par contre, qui est différent de l'autre. C'est un pack pour sauver le monde. Donc si vous possédez sauver le monde comme moi, vous le savez sûrement, je pense que je vais pas besoin de préciser. Mais vous, du coup, vous pouvez avoir les 1500 V-Bucks en faisant vos défis quotidiens. Si vous avez jamais joué à sauver le monde et que vous connaissez rien à sauver le monde, d'accord? Vous achetez le petit pack à 18,49€. Vous avez le skin que vous pouvez jouer en Lego, dans le Battle Royale, dans sauver le monde, dans tous les modes qui existent sur Fortnite. Donc c'est un skin vraiment que vous pouvez jouer dans tous les modes. Puis c'est un skin qui sera disponible que pendant cette saison. C'est-à-dire que la prochaine saison, il sera plus en boutique. Donc c'est un petit peu un skin exclusif, j'ai envie de dire. Et comment avoir les 1500 V-Bucks, vous allez dire? Alors par contre, contrairement à l'autre pack juste avant, celui-ci, il faudra faire des défis. Ça, je ferai en vidéo pour le préciser. Donc en gros, il faudrait d'abord jouer aux quêtes, les quêtes principales, les gars. J'ai vu beaucoup de gens, de chaque fois que je fais des vidéos, pourtant j'expliquais toujours bien. Mais j'ai remarqué souvent que vous étiez perdus. Je pourrais vous aider si vous voulez. Hein. Ça me dérangerait pas, il faut juste que je m'organise et je vous aide. À faire vos premières quêtes, parce que la première quête vous devez faire tout seul, c'est les quêtes entre guillemets
dit Tassiel. Donc vous devez faire ça solo. Et dès que vous avez fait vos premières missions, là vous pouvez jouer avec des joueurs. Il faut vraiment faire la première quête de l'histoire de Tassiel, que le type vous explique comment faire pour mettre vos premières bases, vos pièges, machin. Bref, vous êtes obligé de le faire, les gars. Et à coup, vous avez fait ça. Vous avez accès, du coup, à avoir toutes vos quêtes principales. Et vous devrez avancer pour faire vos trois bases de bouclier. Je vous l'expliquerai en vidéo quand je ferai la vidéo du pack, parce que là, on va pas expliquer. Sinon, ça va être long. Donc, le skin, du coup, il est là. Vous avez la pioche, sac à dos, la petite version Lego. Et le 1500 V-Bucks, c'est en faisant les défis quotidiens qu'il y a tous les jours, un défi par jour. Je vous expliquerai ça en vidéo quand je ferai la vidéo pour ce skin. Sur ce, moi, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Et prochain live, les gars. Portez-vous bien. Tchuss!